Bon, je crois que je vais faire sans faire sur Facebook là, parce que là ça me fout un peu. Le passage biblique. On va utiliser le psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume par excellence de la purification. Quand est-ce que j'ai besoin de me purifier? Quand tu sais que peut-être tu étais dans une relation avec quelqu'un, c'était très compliqué. Est-ce que vous me suivez bien sur TikTok? TikTok, est-ce que vous me suivez bien? C'est là vraiment. Ok, vous suivez. D'accord. Bon, je vais continuer avec TikTok. Si tu étais dans une relation avec quelqu'un, ça n'a pas donné. Ou bien tu sors, tu as quitté le père de tes enfants. Tes affaires ne marchent pas. Tu as quoi d'autre? Peut-être ton mari vient de mourir. Quand tu quittes d'un endroit et tu vas avoir un nouveau départ, ou bien tu étais bloqué pendant trop longtemps, maintenant tu veux relancer ta vie. C'est le moment pour toi de faire un bain de purification. Il y a des personnes qui font les bains de purification toutes les semaines, il y en a qui font une fois par mois. Même quand tu as tes règles, tu es en train de te purifier en fait. Le fait que tu as tes règles, c'est toutes les impuretés qui sortent de ton corps. Donc tu peux le faire peut-être quoi, après avoir tes règles, tu fais un bain de purification. Tu peux accompagner ça peut-être de 2 ou 3 jours de jeûne. Ce qui est important, ce sont les choses que tu vas faire pendant que tu es en train de te purifier. Donc, tu vas verser de l'eau ici. Vas-y, mets la moitié. Tout ce que vous faites en présence de l'eau, quand vous parlez sur l'eau, ça va mettre le ton, ça va donner le ton ou la puissance de ce que vous voulez faire. Donc, quand je suis devant cette eau et je donne des paroles, je suis en train de charger cette eau. Et quand je vais charger l'eau, je peux charger l'eau, je ne vais pas verser dans la cour de quelqu'un. Je peux charger, je me lave avec. Donc, quand je charge l'eau, ça prend une puissance. Si vous vivez dans une ville où vous avez la mer à côté, ce que vous pouvez faire, vous prenez l'eau de mer pour vous laver avec. Donc, tiens, tu vas lire le psaume à partir du verset, le psaume 51, tu liras à partir du verset 3. Voilà. Donc, je vais prendre 3 pincées, je mets une, vous voyez, deux, trois. Lorsque tu mets, tu as ta bougie devant toi. Et de préférence, tu peux aussi avoir de l'encens que tu es en train de brûler. Tu mets ton encens. L'encens enlève les mauvaises ondes. Si tu n'as pas d'encens, ce que tu peux faire, tu peux brûler du laurier. Voilà le laurier. Facebook, si vous n'entendez pas, regardez ce que je fais. Vous avez suivi. Je suis fatigué des problèmes de téléphone ce matin. Donc, je vais prendre le laurier. Voilà ça, vous avez le laurier. Voilà j'ai mon truc ici, là, c'est le charbon. En brûlant, tu mets tes intentions. Je veux, Seigneur, que tu me purifies. Je purifie cet environnement. Quand je brûle ceci, tout mauvais esprit dans ma maison, dans mon entourage, les cas que vous sortez de ma maison. Ok? Après avoir brûlé, quand tu es en train de brûler le laurier comme ça, tu es en train de purifier l'atmosphère. Tu purifies l'atmosphère autour de toi. Donc, on a dit la bougie. L'encens
ou le laurier. On demande au Seigneur d'enlever tous les mauvais esprits autour. Trois pincées de sel rouge. Ok? On va tourner dans un sens. Ça, c'est le bain de purification. On va aller dans un sens en lisant. Dieu ait pitié de moi. Le psaume 51. Dans ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, Seigneur, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer en moi la sagesse, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Tu continues. Purifie-moi, Seigneur, par ce bain. Tu tournes. Tu finis maintenant cette eau. Tu vas lire ce que tu désires. Seigneur, s'il y a n'importe quelle malchance que je porte venant de quelqu'un, ex, père, mère, je me libère. Je me dissocie de toute malédiction générationnelle. Quand tu fais, tu finis, c'est aussi. Tu vas te laver avec. Ne te lave pas pendant que tu as tes menstruations. Pendant que tu as tes règles, non. Tu prends ça maintenant, tu vas te laver avec. Tu te laves. Et en te lavant, tu déclares ce que tu veux. Merci. En te lavant, tu vas dire ce que tu désires. Seigneur, je veux que tu m'ouvres les portes. J'enlève la malchance sur moi, Seigneur. Si à n'importe quel truc qu'on m'a donné de manger dans la nuit qui est resté dans mon corps, quand je me lave comme ça là, je me débarrasse au nom de Jésus. Tu te laves, tu frottes tes pieds, tu déclares que je purifie mes pieds. Partout où je pars, je vais avoir la paix. Mes portes seront ouvertes au nom de Jésus. Voilà. Tu te laves avec ça. Facebook, je vais changer de téléphone, je vais relancer encore.